Ah, maman, bonjour. Bonjour aussi. C'est ta fille qui est là? Mmh. Elle veut se confesser. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle veut se confesser. Explique-nous un peu. Je ne comprends pas français trop. Non, c'est que tu connais parler la faute. Nous, on comprend. Moi, ça m'a dit de trop manger. Je ne sais rien, tout pour moi. Il m'a marché comme ça. Mais dans le temps, la maman est aussi malade. Elle n'était pas trop vraie, tout ça. Mmh. Une maladie là. Ça fait mal qu'elle fait un médicament. C'est tout le temps malade. Ah, tout le temps malade. Ok, oui, ensuite. Oui. Mm-hmm. Maintenant, ça me dit que je n'ai pas tout mangé. Ma femme m'a dit que je l'ai tombé. Elle a tombé, confessé. Qui est tombé? Je. Elle. Mm. Elle est tombée. Mm. Mm-hmm. Elle a tombé, parlé. Que la femme, ça a fait ça. Et elle a dit je viens. Que il a pris crédit à la femme, il a tombé à son 110. Le soir, il est venu à la maison. Et la femme, il est chez nous là-bas. Quand il est chez nous là-bas, la petite qui est venue prier, c'est la femme Baoué. La femme là aussi, elle pleut. Donc quand il est venu prier, c'est la femme Baoué. Quand ma fille a vu la femme là, il voulait aller la tenter. Quand il voulait aller la tenter, il est tombé en même temps. On s'est parlé. Maintenant, quand ma femme appelle ici, est venue, on a parlé chez la femme. La femme, la, on a parti à elle, on a parlé là-bas tout. La femme l'a dit, on n'a pas venu ici. La femme qu'elle allait tenter là, mm-hmm. elle a dit de venir ici. Mm-hmm. La femme allait me mettre ici quoi. Elle, mm-hmm. Ah. Ok. Comment tu t'appelles? Sandra. Sandra. Sandrine. Sandrine. Qu'est-ce qui s'est passé que tu es tombée? Tu es à la maison. Il faut parler un peu fort. Tu es à la maison, tu es malade. T'es couché. On peut aussi lever. C'est parce que. Et puis, le foie est tombé. Lui aussi est rentré. Aussi, hier. Quand il est rentré, c'est tombé. C'est là qu'il commence à parler. Que donc, qui t'a mis dans la sorcellerie? Mes camarades. Comment tes camarades t'ont mis dans la sorcellerie? On a battu manger à la cantine. Oui. Et c'est comme ça qu'ils t'ont mis dans la sorcellerie. Bon, à la cantine, quand tu allais manger la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui donne mon papa. On dit des fois quoi? Je donne mon papa. Je donne ton papa. Toi, tu te transformes en quoi dans ce sorcellerie là? Nibou. Tu te transformes en Nibou. Maintenant, tu as déjà donné ton papa. Tu l'as donné. Actuellement, ils sont pas où? Actuellement, il est où? Il est au dehors. Il est au dehors. Tu as donné ton papa, tu l'as déjà livré. Tu as fait comment pour le livrer? Son âme. Comment tu as fait? Faut expliquer un peu. Il a pris son âme pour te donner. Tu as pris son âme pour lui donner. Donc ceux qui t'ont mis dans la société, ils ont livré ton papa. Ils ont fait quoi encore? Ma maman. De donner ta maman aussi. Et puis tu as donné ta maman. Tu as fait quoi encore? Les gens qui sont dans la cour là-bas. Oui. On lui a donné tous. On lui a donné tous. Tu as donné tous. Toi, tu livres vite, vite, hein? Dans sa maison. Hmm? Maintenant, ce que tu allais attaquer là, ce que tu allais tenter là, pourquoi tu es tombé? Quand la prière, quand le fait descendre, elle s'est laissé tomber. Elle est la sainte de Jésus, non, la femme. Mm. Mm. Mais elle est où? Elle est où? La maman qui vient de nous rejoindre, son arrivée. Mm. Voilà. Mm. Elle tentait de parler tout à l'heure. Mm-hmm. Je rappelle que tu pries au chemin du ciel mm-hmm. avec Papa Florian. Donc le Dieu de Papa Florian est avec toi. Mm-hmm. Elle a fait se confesser comme quoi elle allait attaquer quelqu'un. C'est toi qu'elle a attaqué et puis elle est tombée. Oui, c'est donc il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Merci beaucoup, frère. Moi, j'étais chez moi, j'étais assis. Je causais ma voisine. Il y a une femme qui est venue. Donc la dame, elle est venue à un petit. Donc le petit a commencé à pleurer, crier. Donc elle est rentrée chez ma voisine avec le petit. Puis ma voisine m'a appelé. Tante, viens voir. Tante, viens. Je suis rentrée chez ma voisine. Ah, le petit a dit, il a fait si toi. Il dit, moi, il a fait si moi. Que devant ta porte là, ah, vraiment, il a fait. Bon, j'ai appelé le petit. Il dit, comme il y a des mots chez ma voisine, viens chez moi. Quand il est rentré chez moi. Puis le petit a commencé à se confesser. Jusqu'à. Donc j'ai dit, bon, jeudi on va venir ici. Jeudi on est arrivé ici.
Papa dit, comme ce n'est pas son enfant, il n'a qu'à ramener l'enfant au village. Donc, le lendemain, vendredi, la dame est venue me voir, pardon, viens, va prier chez moi. C'est là on est parti, qu'on priait. Il dit, Dieu de Papa Florian, je n'ai jamais prié. Pardon, il faut m'aider. Quand je priais, il me dit, ma fille, il faut te concentrer. Quelqu'un est venu t'attaquer. J'ai commencé à prier, mais mon faux Saint-Esprit m'était descendu dans moi. Prier, prier. Elle veut rentrer, elle ne peut pas rentrer parce que fille était là. Elle est là? Oui, c'est elle. Donc, en même temps, où elle est tombée, mon pasteur dit, il va la toucher. Il dit non. Ce qu'elle est venue faire, elle-même, elle va dire, c'est pas moi, il va dire. C'est dans ça. Elle a commencé à crier, crier. Pardonne-moi, je suis venue attaquer la maman qui est là. L'ange Gabriel est en train de me chicoter. Ange Gabriel dit de me confesser devant la maman là. Maman, pardon, il faut prier pour moi. Il dit d'accord. Dieu de Papa Florian, je te demande pardon. Il ne faut plus la frapper, elle va se confesser. Ok, il n'y a pas de problème. Donc elle a parlé tout à l'heure qu'on lui a dit dans la société de livrer son papa et de livrer sa maman. Voilà, donc comme tu, elle avait parlé de toi aussi dans le songe, c'est pourquoi on voulait que tu interviennes aussi. Ok, donc tu as eu quelle autre mission encore? Après attaquer et livrer ton papa, livrer ta maman, livrer les gens de la cour, il y a quelle autre mission qu'ils t'ont donné encore? L'argent de mon papa. L'argent de mon père, l'argent de ma maman. Et l'argent de les gens de la cour. Oui. De reprendre cet argent. Voilà ça. Ok. Maintenant, quand tu es venu ici, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as mis pied ici? Dieu m'a dit de quitter les gens. Il est quitté? Des gens. Dans la sorcellerie. Parce que si tu ne quittes pas? On me tue. Ok. Donc tu as vu que le sang de Jésus est plus fort que toi, hein? Tu connais le sang de Jésus là? Il y a quoi dedans? Il y a le feu dedans. C'est le feu là qui a fait que tu es tombé. Ok. Donc c'est même le sang de Jésus là qui va faire sa délivrance. Donc que Dieu bénisse encore la famille. Mm-hmm. Que le sang de Jésus continue d'attraper encore. Amen. Amen.